Salut à tous, c'est Cocor et on se retrouve aujourd'hui pour ce live sur le jeu Dungeon of the Endless, donc un jeu roguelike et à la fois Tower Defense, mais bon, pas un Tower Defense où on reste plutôt inactif à poser ses tours et à rien faire, mais où on participe un petit peu au combat. Alors juste Dungeon of the Endless, donc c'est un jeu qui a été développé, donc un jeu indépendant. Qui a été développé par Amplitude de Studio, qui a notamment fait deux autres jeux qu'on peut retrouver sur Steam, qui sont Endless Space et Legend of the Endless, qui sont deux jeux de stratégie 4X. Et donc Dungeon of the Endless est sorti sur PC le 27 octobre 2014. Donc voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un petit peu le jeu. Là, je continue de balayer un petit peu ma liste de jeux que je peux vous faire, mais en refaisant ma liste récemment, je me suis rendu compte que j'ai réussi à remplir quand même 3 ou 4 post-it de jeux. Ma chérie te dit salut, et bah bonjour à la chérie de... à Madame Cabotin. ouais, donc j'ai sorti une liste de 3 post-it de jeux, donc je pense qu'on va pas tous les passer en revue. Enfin, pas faire que ça justement, mais qu'on va peut-être attaquer une série prochainement sur l'un des jeux que je vous aurais présenté ou un des jeux de cette liste. Donc je pense que je vous ferai peut-être une vidéo YouTube ou peut-être juste un Stropole pour vous dire un petit peu les jeux voilà, que je peux vous proposer. Et on attaquera ça, on choisira un jour de la semaine, alors peut-être le dimanche, je sais pas si c'est le dimanche 14h comme je faisais. Je sais pas si c'est le jour où j'ai le plus de monde ou alors en semaine, on verra. Après, ça dépendra ça peut dépendre aussi complètement du jeu. Donc, on verra comment on se fixe ça. Éventuellement, je ferai un Stropole à la fois pour le jeu. Et une fois que le jeu sera défini, bah, ceux qui auront voté pour le jeu, enfin, ceux qui seront intéressés pour le jeu pourront voter pour le jour en question. Voilà. Donc, là aujourd'hui, ça va être du Dungeon of the Endless. Donc, on va faire. Donc, c'est un jeu assez long. Ça risque de faire plusieurs streams, plusieurs parties, un peu comme pour. Bon, sauf si je me foire complètement. Ça risque de faire plusieurs parties comme pour The Sword of the Stars, The Pit. Donc, c'est pour ça que je fais le jeu en mode facile, qui est le mode de jeu le plus difficile, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et sans appuyer sur la touche pause, qui peut être assez pénalisant comme dans FTL, où on prend le temps de choisir ses actions et après on lance la lecture. Là, il va falloir être assez réactif et ça peut être tendu par moment. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour sur le son, ma voix. Le jeu et aussi la luminosité du jeu, parce que c'est un jeu qui est assez sombre. Il y a des pièces qui vont être éteintes, donc ça sera normal qu'il fera sombre. Mais dans les pièces éclairées, dites-moi si au moins vous y voyez quelque chose. J'ai remarqué que le jeu était sombre, j'ai monté un petit peu le gamma. Et notamment pour me faire le petit retour sur l'équilibrage, il y aura aussi Dova, puisqu'il est là aujourd'hui pour modérer, mais là il est actuellement en train de manger. On va quand même tenter de lui dire bonjour, quand même tenter de lui dire bonjour, voir s'il est là. Bonjour Dovahkiin. Bonjour Cocor. Et bonjour à tous. Donc voilà Ça va, qui. tu m'as pas muté ce coup-ci, c'est bon? Non, je ne t'ai pas muté. Bah non, puisqu'on entend le son du jeu depuis déjà 1 minute avant le début du live. Donc on Ok, t'aurait même donc. entendu si t'avais parlé avant. Mais c'est pas D'accord, donc j'ai bien fait de me mettre en mute. grave. Effectivement, je termine mon repas et je suis à vous, cher viewer et cher cocor. Voilà, n'hésitez pas à lui transmettre vos questions dans le chat, si même moi entre deux salles je regarderai un petit peu et voilà, il me posera éventuellement des questions, lui aussi découvre le jeu, donc il posera les questions que éventuellement vous n'oserez pas poser, ou les détails que Voilà, j'omettrai, effectivement. voilà. Et ben je propose qu'on commence tout de suite. Bah vas-y, je t'en prie. Donc nous allons faire une nouvelle partie, et comme je joue tout le temps en facile, donc là une petite séquence d'intro en fait, pour reprendre l'histoire, j'avais un petit texte de quelques lignes justement qui décrit bien l'histoire. Donc en gros c'est qu'on va incarner l'équipage d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé sur une planète et on va devoir fuir et bien tout simplement le sous-sol dans lequel on s'est bloqué en remontant les étages petit à petit et où de nombreux ennemis nous barreront la route. Donc en gros ça va être de la récupération de ressources, comme s'il y a une petite composante Tower Defense, on va poser des tours, des tourelles et des équipements qui vont nous aider à combattre ou nous booster. Et voilà, on va avoir une petite équipe avec son petit inventaire, ses compétences, avec la possibilité éventuellement de recruter du monde dans le donjon. Je regarde un petit
petit coup d'œil sur le chat, ok, vite fait. Donc voilà, vu que je joue tout le temps en facile et que le jeu est vraiment très corsé, même en facile, j'ai jamais fini le jeu et j'ai jamais rien débloqué. Donc nous aurons que la capsule de sauvetage où il n'y a pas de bonus ou de malus de départ. Et éventuellement, si je fais une série là-dessus, on commencera peut-être en trop facile histoire de finir au moins une run et de débloquer un petit peu des choses. Donc nous avons que la capsule de sauvetage et je vais choisir des membres d'équipage random. Alors si j'ai quand même débloqué quelques membres d'équipage, il y en a quelques-uns qui sont disponibles au début, j'en ai débloqué 2-3. Donc c'est déjà ça, on n'est pas obligé de finir le jeu pour les débloquer, il suffit juste de faire un certain nombre d'étages avec eux. Donc je vais choisir des persos aléatoires. Notre vaisseau s'écrase sur la planète dans une grande explosion, un grand nuage de poussière et de déflagration. Si ça se dit comme ça. Et voilà, nous arrivons donc à l'écran de jeu principal. Donc je me suis mis en 720p histoire de pouvoir étirer un peu plus et que vous puissiez voir les textes qui sont parfois très petits, notamment au niveau des ressources en rouge. Je sais pas si c'est si c'est lisible. Mais en 1080, ça aurait été pire du coup. Alors qu'est-ce qu'on a en ressources? Donc on va présenter un petit peu vite fait l'interface. On a des ressources qu'on va utiliser pour poser des tourelles. Donc c'est l'industrie, voilà si je dis pas de conneries, donc la réserve d'industrie qui est là. Donc on a notre valeur actuelle pour les ressources et en dessous la valeur qu'on va gagner à chaque fois qu'on ouvre une salle. Là c'est pas de la génération de ressources dans le temps, c'est par découverte de nouvelles pièces au fur et à mesure. On a aussi la science qui va nous permettre de rechercher de nouvelles technologies, donc qui vont servir principalement à améliorer les équipements qu'on va placer. Et on a la nourriture qui va servir à tout simplement faire monter en niveau nos personnages pour qu'ils deviennent plus puissants, augmentation de statistiques et de compétences actives et passives. Et encore à droite, nous avons la réserve de brume qui là va servir en gros d'énergie, donc qui va permettre d'allumer certaines salles, d'activer on va dire le courant. Et pour tout simplement que nos équipements soient actifs et aussi éviter le spawn d'ennemis dans les salles. Donc on me dit que c'est lisible, très bien. Voilà, donc à droite là j'ai mes deux personnages donc avec leurs compétences et leurs classes. Donc je vais juste leur affecter des petits numéros. Normalement si j'appuie sur 1 et 2, voilà, je peux accéder à l'un et l'autre des personnages. Et si je fais A, je les sélectionne tous. Ici on a notre petit cristal d'énergie qu'on va devoir protéger et ramener. Donc c'est lui qui va nous permettre un peu d'alimenter les salles et c'est lui qui va dire si on est vivant ou si on est mort. Tout simplement les points de vie de ce cristal, c'est tout simplement la quantité de brume qu'il me reste. Donc c'est à la fois de la monnaie et des points de vie. Pour le moment, on voit bien, on t'entend bien, on arrive à lire, mais on n'entend pas beaucoup le son du jeu. Bah après, il y a juste une petite musique de fond que je peux augmenter éventuellement. Alors c'est vrai que j'avais pas remis le son du jeu à 100%, voilà. Ça sera peut-être mieux. Alors, pourquoi je n'arrive pas à... Voilà, c'est que j'avais perdu le focus de la fenêtre. Donc voilà, ce que je propose, c'est qu'on commence à avancer, puis on découvrira petit à petit. Je vais juste regarder, moi, quand même, mes personnages, un peu ce qu'ils ont. Donc voilà, les statistiques qu'ils ont. Les points de vie, la régénération de santé, leur point de défense, leur vitesse de déplacement, leur DPS. Donc qui est voilà, géré avec la puissance d'attaque, donc les dégâts qu'ils vont faire et le nombre, le délai entre chaque coup on va dire, et l'astuce qui va permettre qui va intervenir dans différentes choses. Donc je vais sélectionner tous mes personnages, voilà, et je vais ouvrir la salle qui est juste, juste à l'extérieur de mon vaisseau, et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais envoyer mes deux héros dans la salle suivante. Donc la salle suivante est sombre, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore éclairé. Donc là on avait deux petits ennemis bleus qui n'ont pas posé de soucis, on les a éliminés rapidement. Donc à savoir que ce n'est pas moi qui contrôle directement les personnages, je peux seulement définir dans quelle salle ils vont se trouver et dans quelle salle ils vont se déplacer. Après c'est eux qui vont décider d'attaquer l'ennemi à leur convenance et éventuellement je peux lancer leurs compétences actives. Donc voilà, donc là on a une première salle. Alors pour allumer la lumière, je ne sais plus quelle touchait. Voilà, c'est contrôle et un clic. Donc vous voyez là, l'énergie s'est répandue vers la salle du dessus. Et elle est donc alimentée, on y voit un petit peu mieux, on y voit plus clair. Donc quand vous regardez à droite la jauge de brume, vous voyez qu'on a trois petits carrés, donc qui sont au départ grisés, et un qui est allumé. Bah, tout simplement, ces petits carrés vont représenter le nombre de salles que je vais pouvoir allumer. Donc là, j'ai allumé une salle sur les trois que je peux allumer. Sachant que 10 points de brume permet d'allumer une salle. Donc 33, je peux allumer 3 salles. Et donc sur cette salle, qu'est-ce qu'on a? On a un espèce de gros emplacement. Alors je ne sais pas si. Voilà, un emplacement qui va servir pour les modules majeurs. Et plein de petits emplacements qui vont servir pour les modules mineurs.
Donc ça, c'est des modules qu'on va pouvoir placer sur l'écran, donc c'est la composante Tower Defense, et on va débloquer au fur et à mesure des différents modules. Donc la liste des modules, elle est juste en bas, hein, en bas à gauche. Donc là, on a des modules offensifs, des modules mineurs offensifs, donc là pour l'instant, j'en ai qu'un seul. C'est le module laser, donc qui va permettre d'attaquer, voilà, blesse faiblement les adversaires se trouvant dans la même salle, donc c'est tout simplement une tourelle qui va taper les ennemis. Et si je regarde donc dans mes modules majeurs, j'en aurai un petit peu plus, je vais avoir ce qu'on appelle des générateurs de ressources, à savoir le créateur de sciences qui va ajouter 3 de sciences par donc l'espèce de symbole qu'on voit dans la description, c'est une porte qui s'ouvre, donc c'est à chaque ouverture de porte, c'est ce qui va générer les tours de jeu, on va dire. Donc à chaque fois que. Donc si je fais un créateur de sciences, ça va ajouter 3 de sciences par tour, donc au lieu d'en gagner 4, tout simplement j'en gagnerai 7. Ça va augmenter ma génération de ressources. De science, dans l'occurrence. On a le générateur d'industrie qui va faire la même chose, bah, pour les points d'industrie, et le réplicateur de nourriture qui va faire la même chose pour la nourriture. Donc vous voyez, chaque module coûte une certaine quantité d'industrie. Donc à savoir, là, les modules majeurs vont coûter 20 de ressources, 20 d'industrie, alors que ma petite tourelle va coûter seulement 3. Donc moi, ce que j'essaye de faire en général quand j'attaque un étage, puisque ça va justement se gérer étage par étage, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le donjon. Je commence par des générateurs d'industrie pour tout simplement avoir un gros stock d'industrie pour en mettre plus de modules plus tard, notamment après les créateurs de sciences, les réplicateurs de nourriture et après les tourelles et autres choses qu'on pourrait débloquer par la suite. Donc je vais commencer tout de suite par un générateur d'industrie. Voilà, et on va rien mettre d'autre et on va accéder à la salle suivante. Donc là, on voit tout simplement les salles par les portes qui sont symbolisées. Donc on en a une en haut, on peut en avoir une à gauche, on peut en avoir une à droite. Si on fait un petit zoom arrière, on a une map plus générale de la carte. Quand ça commence à être un petit peu grand, on va commencer à jouer là-dessus pour plus de visibilité. Là, on voit une porte en rouge qui est fermée pour l'instant. Donc là, je vais ouvrir une autre porte. Donc vous pourrez voir les ressources qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et à chaque ouverture de porte, en fait, on va découvrir, bah, tout simplement une nouvelle salle qui peut avoir un contenu, qui va avoir un contenu aléatoire. Et ça va être aussi l'occasion pour les monstres ennemis d'être générés. En fait, dans chaque salle qui ne seront pas éclairées et qui ne seront pas occupées par un personnage, on va avoir une chance d'avoir une vague d'ennemis qui va apparaître à cet endroit-là et qui va se diriger principalement vers notre cristal. C'est leur objectif, leur objectif, c'est de détruire notre cristal. Qui, s'il est détruit, eh bien ça met fin à la partie. Donc éventuellement, s'il y a des héros et des tourelles en chemin, ils vont tenter de les attaquer pour se défendre. Et on va avoir des ennemis qui vont plus se focaliser sur le cristal, qui en auront rien à foutre du reste. D'autres qui vont plus se focaliser sur les héros, et d'autres qui vont plus s'occuper des modules majeurs. Ah, je vais pas y arriver, majeur ou mineur, voilà. Donc là, on a dans cette salle, donc vous voyez, vous venez de trouver un artefact. Si je clique dessus, eh bien tout simplement j'ai accès à ceci, donc aux études, et c'est tout simplement là qu'on va dépenser notre science. C'est dans ces. Je jette un petit coup d'œil sur le Twitter. Ok, très bien. C'est ici donc qu'on va dépenser notre science pour découvrir de nouveaux modules. Donc là on a le module magasin. Donc si un marchand est découvert, il sera téléporté sur ce module. Et on va avoir la possibilité de manipuler des modules. Donc en fait, c'est qu'on va affecter un personnage à la salle où se trouve un module, et en fait ça va tout simplement le renforcer, le rendre plus efficace. À savoir que le personnage doit être capable de manipuler doit être capable de manipuler justement les modules en question. Donc l'intérêt du module magasin, c'est que si quelqu'un le manipule, et ben on peut avoir de la brume supplémentaire au fur et à mesure qu'on va ouvrir de nouvelles salles. On a le pote mécanique qui lui va pouvoir justement manipuler, c'est un module mineur qui va pouvoir manipuler les modules majeurs. On a un canon SP1, donc c'est le savoir, en l'occurrence la science, c'est la puissance dans le cas de ce canon. Donc en fait, plus on va avoir de science, plus le canon qui va être un genre de tourelle, plus ce canon va être puissant. Voilà, donc il démarre à une puissance de 1, il a une puissance d'attaque maximale de 100 en fonction de la science. Voilà, on a tous les 0, tous les 1 de science, on va avoir 0,8 de puissance. Donc voilà, si on a un gros stock de science, ça peut être une tourelle intéressante à placer. Et on a quoi? Un transfert bio-organique. Alors ça me parle moins. À chaque mort, soigne jusqu'à 100 PV selon la puissance de la créature tuée, répartie sur chaque héros de la salle. D'accord, donc en fait, c'est un truc qui va se trouver dans une salle. S'il y a des héros dans cette salle, bah, à chaque fois qu'ils tueront un ennemi, on va avoir un transfert de santé qui va se faire sur eux. Donc à chaque mort, ils vont regagner jusqu'à 100 PV, voilà.
Ok, donc pour Re. l'instant, juste je finis sur l'étude. Pour Vas-y, l'instant, s'il te donc on plaît. n'a pas de science, donc on va juste réfléchir un petit peu à ce qui pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que là, à la rigueur, il n'y a rien qui me tenterait pour l'instant. Donc on peut éventuellement réinitialiser l'étude pour avoir un nouveau, pour avoir aléatoirement une nouvelle sélection d'études à réaliser. Et voilà, on voit par exemple que le temps d'une étude, ça prend trois portes, donc trois ouvertures de salles. Donc on achète et au bout de trois tours, on a appris le module. Voilà, je sais pas si tu Ok. avais quelque chose à dire du coup, Dova. Si, j'étais vite parti 5 minutes, mais maintenant que je vois les images du jeu, je me rappelle où j'ai vu ce jeu. Parce que le nom me disait quelque chose, mais je ne savais plus du tout à quoi ça ressemblait et tout. Et en fait, j'avais vu un test, je crois, de Atomium, en fait, D'accord. sur JVC, je crois, ouais, l'univers du jeu indépendant. Je crois que c'était ça, sur sa chronique, et c'est là que j'ai vu ce jeu. D'accord, moi j'avais dû le voir ailleurs aussi à la base, alors soit MV, soit ATO, je ne saurais plus dire. Donc là du coup j'ai éclairé la deuxième salle, là où il y avait la recherche, et j'ai ouvert la suivante, que j'ai aussi allumée. Donc à savoir qu'à chaque fois que j'explore une nouvelle salle, je vais gagner un petit peu de brume. Et en tuant certains ennemis, enfin certaines compétences permettent aussi d'avoir de la brume. Alors, donc le générateur de science, on était à 22, donc on en est à 22 maintenant. Mais je pense que je vais réinitialiser l'étude ou j'attendrai peut-être le prochain artefact pour voir s'il y a des trucs un petit peu mieux ou le prochain étage pour commencer à investir des points dedans. Donc là, on a un emplacement pour un module majeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore mettre un module d'industrie. Donc le problème, c'est que les modules majeurs, ils ont un coût de base qui est de 20 industries. Et plus on va placer de modules majeurs, plus ils vont être chers. Donc le prix va augmenter de 5 d'industrie à chaque fois. Donc là, j'aurai pas assez pour en placer un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout bêtement explorer la salle suivante avec mes deux autres personnages. Je regarde juste un petit coup d'œil sur les compétences passives, voir s'il y a des choses qui me seraient utiles. Voilà, donc lui par exemple, c'est un expert endless. Donc il génère 2 de science en plus par tour. De base, on n'aurait que 2 par tour. Donc c'est plutôt pas mal. Mode de chien, donc sur soi, puissance plus 6% quand des équipiers sont à proximité, donc ça c'est aussi pratique. Je regarde vite fait les valeurs de DPS, 23 et 25 pour les deux. Les vitesses, il y en a un qui est plus rapide que l'autre, un qui a un peu plus de défense, et ils ont à peu près les mêmes nombres de points de vie. Et donc en compétence passive pour. Alors, il y a des petites références dans les personnages, hein, si vous voulez lire les biographies en appuyant sur pause ou dans l'ordre de la rediff. Vous remarquerez que Sarah Numas, si vous lisez. Alors, attends, je sais plus. Si vous lisez le nom de droite à gauche et que vous inversez les premières lettres du prénom et du nom de famille, ça donne Samus Aran. Pour la petite référence, d'où la tenue bleue, donc là c'est Samus sans armure en l'occurrence. Et Bah oui. donc l'autre, je sais plus, Max O'Kane, alors à voir peut-être en lisant la description, je saurais pas dire comme ça la référence, mais il y en a sûrement une aussi que je connais pas, parce que je pense qu'ils ont dû s'amuser un petit peu, notamment quand j'ai vu Samus Aran, ça m'avait fait marrer. Ça me fait penser Je pense que c'est en lisant la description en fait, ça doit parler je pense de chasseur de primes ou de trucs comme ça, et c'est là que je me suis dit à... Ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à... je sais plus. Je suis très constructif dans ce que j'ai dit. Ok. Tout à fait. Je vais éclairer cette salle suivante qu'on vient d'explorer. Donc vous voyez quelques monstres. Donc là, pour l'instant, je mets pas de tourelle parce que ça me ferait dépenser de l'industrie, des ressources. Alors qu'il n'y en a pas tellement besoin. Vous voyez, il y a deux ennemis à chaque fois. Je les élimine avec les deux héros. Et vu que toutes mes salles sont éclairées, il n'y a aucune chance qu'ils spawnent aux endroits que j'ai déjà explorés, donc il n'y a aucun risque qu'ils viennent attaquer mes modules d'industrie ou encore mon cristal de je sais plus quoi. D'accord. On va dire le Et tout cristal pour aussi l'instant. précis que moi. Ouais, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de revoir le nom exact de la chose. Donc et ben on va continuer. On veut peut-être placer un petit module maintenant que j'ai 27. On va replacer de l'industrie, même si le premier étage va être assez rapide, il va pas y avoir beaucoup de portes à ouvrir, ça va pas être forcément très rentable. Bah, pour que ça soit rentable, vu que ça ajoute 3 et que ça va me coûter 25, il faudrait que j'ouvre à peu près 8 salles, et je pense qu'il n'y en aura pas autant, donc ça sera peut-être pas si rentable que ça. On va peut-être faire de la science ou de la nourriture.
On va faire plutôt. Bon, j'ai 4 et 4 et 26 et 26. Donc, vu que les deux sont à égalité, on va mettre de la nourriture hein, au pif. Il n'y en a pas un qui est plus en déficit que l'autre, mais après, ça sera la science du coup qu'on aura besoin. Donc, on va explorer la salle là qui est encore au-dessus. Donc, j'essaye en général de faire des lignes droites. Là, on aurait pu explorer à gauche, mais j'évite de faire 26 intersections pour avoir plusieurs côtés à défendre. Mais bon, on n'aura peut-être pas le choix si la sortie se trouve là. Le but pour l'instant, c'est de trouver justement la sortie. Pour voir si on explore des salles supplémentaires et on prend le risque du coup de croiser des monstres pour tenter d'avoir plus de ressources. Soit on sent qu'on peut pas le faire et du coup on va vers la sortie mais on se prive de ressources qui pourraient être précieuses. Que justement le fait de trouver la sortie va nous permettre justement de transporter notre cristal jusqu'à l'ascenseur. C'est ce qu'il y a à la sortie justement, un ascenseur vers l'étage suivant. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé, ben, on ne peut pas décider de transporter le cristal. On est obligé de le protéger et de fouiller, justement. Donc là, on est arrivé dans une salle, comme c'est écrit en bas de l'écran dans le petit chat. On arrive dans une salle auto-alimentée. D'ailleurs, je suis en train de penser, je parle du chat, même si ça n'en est pas vraiment un, c'est plus un journal. Mais à savoir qu'il y a aussi un mode coop dans ce jeu. Donc à l'occasion, si le jeu t'intéresse, Dovan, on pourrait aussi envisager des lives en coop. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant à tester. Ok, je note. Donc voilà, donc je disais, là on arrive dans une salle auto-alimentée. Donc tout simplement, bah, c'est une salle qui est auto-alimentée. Donc il n'y a pas besoin de dépenser, voilà, il n'y a pas besoin de dépenser de la brume. Enfin, c'est pas de la brume qu'on dépense, il n'y a pas besoin d'affecter, on va dire, de la brume à cette salle. Elle est tout le temps alimentée. On peut mettre des modules, ils seront toujours actifs. Sachant que si vous mettez une tourelle et que la salle n'est pas alimentée, bah, la tourelle ne tirera pas, elle ne fera rien. Et si vous mettez un générateur de ressources, et bien, il ne générera pas de ressources si la salle n'est pas alimentée. Par exemple, vous voyez ici. Si j'éteins la salle avec le générateur de nourriture, bah je passe de plus 7 à plus 4. Et évidemment, enfin, évidemment non. Information importante, c'est que toutes les salles alimentées doivent être reliées, on va dire en série. À savoir que vous ne pouvez pas alimenter n'importe quelle salle, il faut que les salles alimentées soient à côté d'une autre salle alimentée. En gros, si en fait il faut faire une chaîne, si vous voulez, vous voyez que le courant se propage d'une salle à l'autre et elle peut pas, on va dire, sauter une salle. Pour être alimenté pour alimenter une salle qui est plus loin. Vous voyez là je vais éteindre les salles. Vous voyez quand j'allume et que j'éteins les salles, la salle sur la vue stratégique est représentée d'une lumière un peu plus vive, un peu plus blanche, on va dire. Elle est voilà, allumée. Et si vous voyez que j'éteins cette salle qui est au milieu, et ben vous voyez que la salle qui est juste derrière s'éteint à son tour. Donc en fait, faire de trous. Il faut que les salles Oui, bah soient c'est toutes, ouais, les toutes salles connectées, servent de voilà. câble en fait, quoi. Voilà. C'est un genre de Tu peux pas ne câblage, et pas avoir de câble, quoi. si voilà, si une salle devient désalimentée, bah, toutes celles qui suivent le seront aussi. Par contre, une salle auto-alimentée, je ne peux pas m'en servir pour alimenter la salle qui est juste en dessous. Ok. Voilà. Donc, eh bien, nous avons toujours un d'énergie drap, donc on va continuer d'explorer avec nos deux personnages. On va continuer vers le nord. Donc un coffre qui va contenir voilà, donc une rapière qui va être ajoutée à mon inventaire. Donc si j'appuie sur I, j'accède à l'inventaire. Je fais un clic droit pour avoir l'écran un peu de mes personnages. Et on peut stocker 4 objets dans notre inventaire. Enfin, dans notre, on va dire, dans notre sac à dos. À savoir que les objets qui sont équipés ne comptent pas dans ces emplacements d'inventaire. Voilà, c'est des emplacements en plus dans un sac à dos qui sont inutilisés, qu'on garde de côté. Donc, on a une rapière, donc si on va dessus, un excellent outil pour la collecte de dons de sang non volontaire, qui a donc une Tu fais vitesse penser de à 2. Daisy, ça. Qui a une vitesse de 2, donc vitesse, c'est donc une augmentation de la vitesse de déplacement de mon personnage. Une puissance de 12, et on réduit le délai de 0,1, donc les attaques seront plus rapides. C'est un temps, donc si on va passer de 0,8 secondes à 0,7 secondes pour attaquer, donc le DPS va augmenter forcément. Donc on voit Bah qu'il y a oui. un petit emplacement, voilà, un petit icône en bas à gauche, en bas à gauche de la rapière, une petite icône d'épée, et on voit que Samus Aran a aussi une petite icône d'épée, donc ça veut dire qu'elle peut mettre justement cet objet dans cet emplacement. Si on regarde Max O'Kane, lui il peut porter qu'apparemment qu'un pistolet, une armure et un accessoire, je crois, un outil, quelque chose comme ça. Donc on va Tu dis un équiper. icône ou une icône?
J'aurais dit une icône, mais j'ai un doute. Parce que là, je t'ai entendu dire un icône Ouais, mais peut-être. et ça m'a perturbé. Je Ça sais que je t'a. fais chier avec mes questions de merde, mais Ça t'a je me choqué. ouais, je me sens choqué. Alors, Vous juste. m'avez choqué. Je reçois un petit SMS, je vais juste répondre rapidement. Ah voilà, le monsieur qui respecte pas ses viewers. Déjà, il sait pas à quoi jouer, ensuite il répond à des SMS en jouant. Non, mais c'est Si, je sais à n'importe quoi quoi. jouer, j'avais des idées. Ouais, t'as eu un doute quand même. Voilà, c'est juste pour prévenir. Voilà. Alors, donc on va équiper, donc voilà. Alors, SM épée de cérémonie. Oui, ça doit être l'équipement de base que j'ai en fait à cet endroit-là. Donc, je remplace par la rapière qui va permettre d'avoir un meilleur DPS. Je vais profiter que j'ai encore des choses, enfin, encore de la brume à affecter pour alimenter cette salle. Et on va monter un petit peu plus haut. Alors, avec les deux, si possible. Voilà. Donc, on arrive à un cul-de-sac avec des ennemis. Donc, ils vont pas poser trop de soucis. Je vérifie les jauges de santé. Donc, à savoir que la santé se régénère à la fin de chaque combat. Parce qu'un tour se déroule comme ça. Voilà, on ouvre une porte, il y a un combat, et après, on a un temps illimité pour gérer un petit peu ses salles, gérer son alimentation, placer ses personnages, acheter des tourelles et compagnie. Après, le temps ne s'écoule pas. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas de temps qui s'écoule pour un tour. C'est vraiment l'ouverture de la porte, combat, et après, préparation jusqu'à la prochaine action, ouverture de porte ou. Transport escorte du cristal jusqu'à la sortie de l'étage. On dit un icône. Je préfère un icône. Ok. Cette salle, je crois que voilà. Donc là, cette salle, je peux plus l'alimenter. Je n'ai plus assez d'énergie. Donc ce que je peux faire, par contre, c'est mettre un personnage ici. Donc on va mettre Max O'Kane là-dedans. Vous voyez, la salle s'éclaire légèrement. Et le gars a une petite torche, une petite veilleuse, je ne sais pas. Et donc du coup, cette salle est safe, on va dire. Une veilleuse pour pas faire de cauchemar. Voilà. Donc on est remonté un petit peu en industrie là. Donc il me faudra, voilà, il me faudra 30 pour le prochain module. Donc on y pense tranquillement. À la rigueur, le fait de ne pas dépenser tout de suite, ça va nous permettre éventuellement de garder un peu d'industrie de côté si jamais on veut mettre une tourelle, si jamais on voit que ça tourne mal. Donc voilà, je voulais revenir sur les combats. Donc la vie se régénère à la fin de chaque combat, mais on a aussi la possibilité de soigner nos personnages. Si je fais un petit clic droit, vous voyez, je peux dépenser 30 de nourriture pour faire gagner un niveau à mon personnage, ou dépenser 3 de nourriture pour soigner. Donc je crois que c'est à peu près le quart de la vie du personnage pour soigner le personnage. Donc c'est à utiliser avec modération, puisque forcément la nourriture qu'on va utiliser pour soigner, bah, c'est de la nourriture qu'on va pas utiliser pour monter de niveau. Donc là, je vois que j'ai quand même 30 de nourriture, ce qui est vraiment pas mal. Et il faut que 30 ou 25 pour gagner un niveau. Donc je vais profiter que Samus Aran va ouvrir les portes pour lui faire gagner un petit niveau, vu que c'est elle qui va combattre, c'est elle qui en a le plus besoin. Donc vous voyez, si je lui fais gagner un niveau, elle gagne 44 PV maximum, 2 de défense, 1 de vitesse et 1 de DPS. Donc elle se débrouillera un petit peu mieux en combat. Donc je lui ai gagné un niveau, je vais profiter qu'on ait un petit peu de réserve. Et On voilà. peut gagner un sexe à pile aussi. Non. Parce qu'elle est sexy, Samus Aran. Oui, bah après là c'est vrai que vu le peu de pixels, si on voit un petit peu mieux, bah si on regarde le portrait là, je trouve quand même une tronche un peu bizarre. Bon après Effectivement, non mais je veux dire, la vraie Samus, dans la oui, série Metroid, la vraie Samus effectivement, ça peut. Mais non, sur Wii U, elle est sympa. y a pas de mince. De La statistiques caractéristique. de charisme, mais il y a peut-être des compétences passives qui pourraient correspondre éventuellement. Je doute là. Ça serait à Oh, vérifier. t'as vu, je te mets le doute et tout, toi. En racontant des conneries, je mets le doute, c'est beau ça. Alors j'explore à gauche et je vois qu'il y a un petit peu de monde, donc je vais demander à Max O'Kane de venir en renfort au cas où, mais ça a l'air de bien se passer, hein, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Car il faut savoir que la génération de mobs se fait vraiment au début de l'ouverture de la porte. Passé un certain délai, on peut se permettre de quitter les salles. À partir d'un moment, les mobs ne risquent plus de spawner. Mais il faut faire gaffe à pas les faire partir trop tôt, sinon tous les ennemis arrivent dans toutes les salles où il y avait des héros. Donc là, ça commence à être un petit peu problématique parce que là, on a de plus en plus de salles sombres. Et donc là, si j'explore une prochaine salle avec Samus, eh bien cette salle où se trouve Samus actuellement ne sera pas éclairée et pas occupée. Donc on aura un risque de spawn à cet endroit-là en plus de la nouvelle salle que je vais explorer. Donc là, ça pourrait être le bon moment pour commencer à placer les tourelles. Donc à savoir que. Oui, vas-y, Dora. Non, le truc, ça a rien à voir de... Enfin, rien à voir façon de parler. J'adore parce que tu l'appelles Samus alors que c'est Sarah qu'elle Oui, s'appelle. mais c'est voilà, c'est parce que je vais pas y arriver à l'appeler Sarah, donc je préfère l'appeler Samus tout de suite. Au pire, voilà, je retiens Sarah.
Parce que j'avais peur de dire Sarus, Numas ou les trucs Oui, comme ça, Sarus. de faire le mauvais changement de pseudo pour avoir son vrai nom. Donc ça, c'est Sarah en effet. Donc je me demande si je vais pas plutôt me dire que ces deux Plutôt. salles ne seront pas alimentées. Je vais alimenter celle-là, comme ça on n'aura pas de soucis. Juste derrière Sarah, elle ne sera pas prise entre deux feux. Par contre, Max O'Kane va aller occuper la salle juste au-dessous, comme ça celle-là n'aura pas de spawn, mais le petit cul-de-sac pourrait avoir des ennemis. Mais la salle n'est pas alimentée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer une ou deux tourelles sur la salle qui est ici, comme ça, si jamais des ennemis arrivent et que justement l'ennemi est un peu en difficulté, on pourra toujours se replier dans cette salle où il y aura une tourelle pour nous assister. Éventuellement, le héros pourra en plus reculer encore plus loin pour qu'il n'y ait que la tourelle qui s'en occupe et le héros reste en sécurité à l'abri du danger. Car il faut savoir, dans ce jeu, les morts des personnages sont définitives. Pour l'angoisse. Alors, je vais mettre une Joue à petite. bonheur. Voilà, je vais mettre une petite tourelle dans cette salle. Donc un module laser, on va peut-être même en mettre deux, ça coûte pas trop cher, hein, ça coûte 3. Le problème c'est que on pourrait mettre un générateur de ressources qui ne sera peut-être pas hyper rentabilisé dans cette salle, dans cet étage du moins. Donc non, on va s'en passer et rester à 8 d'industrie. J'aime bien ce que Monsieur Cabotin vient de Mettre dire. deux modules laser. Alors j'y viens dans un petit instant. Je suis bien entouré entre Dova qui dit des conneries. Oui, en effet, je suis bien entouré. Voilà, donc. Et Anto qui passe à spi. Non, pas encore, ça va, il n'est pas encore arrivé. Ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je veux juste voir s'il m'a répondu vite fait. Non, ok. Il prévient à l'avance, attention, je vais passer l'aspirateur. Allez, on va ouvrir cette salle qui est juste au-dessus. Donc, apparemment, pas la sortie, il y a encore beaucoup de salles. Hein. Je regretterais presque de pas avoir mis de générateur supplémentaire. Ok, donc Max O'Kane va venir aider, mais je pense que voilà, l'ennemi sera éliminé à temps. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de brume en explorant cette salle, ce qui fait que là je vais vraiment en manquer. Donc là le problème c'est que je peux plus. Faut que je. De toute façon cette salle je peux pas la désalimenter, ça c'est sûr. Donc en gros ouais, je peux pas faire mieux que ça pour l'instant. Donc Max va rester ici à surveiller cette salle, enfin ces deux salles. Et sa muse va être. Elle risque de se faire avoir par deux ennemis. Donc plutôt, on va explorer à gauche comme ça. Si elle recule, enfin elle risque pas d'avoir d'ennemis derrière elle. Donc je vais quand même placer une tourelle dans cette nouvelle salle. Voilà, un module laser. Par Module sécurité. laser. Alors là, cette salle sera bien protégée puisqu'il y aura un premier module laser et Max O'Kane de ce côté. Donc là, cette salle est plutôt sans danger, on va dire. Un peu plus sécurisée. On va explorer à gauche. Ah, bah encore deux carrefours, décidément. Donc on a un buffet avec de la nourriture. Je fais un petit zoom arrière, il n'y a pas eu de spawn. Donc tout simplement, on a trouvé de la nourriture sur une table et on s'est servi. C'était gratuit. Là, j'hésite vraiment à me le mettre, là, mon petit générateur de nourriture, ou mon petit générateur d'industrie. Tu veux te le mettre au générateur? Parce qu'il me reste au moins 1, 2, 3, 4 salles à explorer, mais non, je pense que ça vaudra pas le coup. Hein. Éventuellement, on Écoute, peut. je suis pas encore assez balèze dans le jeu pour te conseiller. Je pense qu'on va juste se placer un créateur de science, même si, bon, ça, on l'aura pas hyper bien rentabilisé. Mais bon, au moins, on aura placé quelque chose. Et là, du coup, on va plus placer de module majeur, je pense. Alors, donc, on a toujours pas assez de brume pour alimenter une salle. Donc là, on commence à être assez dispersé. Je pense que je vais ouvrir la salle qui était à gauche, qui était un peu plus proche de l'entrée. Ça va, Loulou, elle se met à l'aise, elle est en train de mettre ton live sur la télé. Ok. Alors, on a. Un stock d'industrie et on voit des ennemis qui arrivent au-dessus, donc on va se replier voilà dans la salle où il y a la tourelle. Vous voyez, on a eu des gros points d'exclamation et en voyant la vue stratégique, je pouvais voir des points rouges pour qui symbolisaient la présence des ennemis justement. Donc on a gagné un Ok. brume en tuant ce dernier ennemi, puis je pense en ouvrant cette salle donc qui contenait de l'industrie, voilà. Vous venez de trouver une nouvelle ressource industrie, donc je vais pouvoir alimenter cette salle qui est proche, plutôt proche de l'entrée.
Si on regarde le plan, on peut voir qu'on a une boucle dans ce niveau, puisque là on a une porte qui se rend dans une salle en bas et là, dans une salle en haut, donc forcément ça va être la même salle. Donc ça pourrait être. Ça dépend du point de vue stratégique si c'est intéressant d'ouvrir ou pas cette boucle, ça dépend. Mais en tout cas, ça ferait des portes à ouvrir en plus. Éventuellement, on peut ouvrir par le haut, histoire de laisser le cul-de-sac dans ce sens-là, ils ne pourront pas passer par l'autre porte. Au moins, on profitera de l'ouverture de la porte et des ressources que ça va apporter. Mais après, il faudra faire gaffe à peut-être pas ouvrir la porte du bas, au risque de créer une boucle qui risque de donner deux chemins différents aux ennemis, alors que si c'est tout en ligne, c'est plus facile à défendre salle par salle, plutôt que si les ennemis se dispersent et que nous aussi, on doit se répartir d'un côté et de l'autre. Donc je pense qu'on va aller à gauche. Non, on va plutôt monter. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de brume, donc je vais pas pouvoir alimenter grand-chose. Et on va ouvrir juste en haut, en espérant qu'on trouve enfin la sortie. Parce que là, ça commence à être limite ou beaucoup de brume. Voilà, donc c'est la sortie. Je fais un petit zoom arrière pour voir si ça génère du monstre. Apparemment, non. Donc maintenant, nous avons la possibilité de ramener le cristal. Donc vous venez de trouver la sortie. Donc là, j'ai la possibilité de cliquer sur mon petit cristal et de l'escorter. Donc ça va prendre un personnage qui va devoir transporter le cristal à une vitesse réduite. Et qui ne pourra pas attaquer, donc ça va faire qu'on aura une seule personne qui pourra attaquer les ennemis. Donc c'est vrai que ça craint un petit peu. Donc sachant que plus on va ouvrir de salles en explorant, plus on va faire de salles non éclairées qui pourront être des endroits de spawn pour les ennemis. Et donc des ennemis plus nombreux qui viennent de divers endroits. Donc ça craint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même fouiller un petit peu. Et par sécurité, on va placer plus de tourelles dans cette salle qui fait un petit peu le carrefour entre deux couloirs, on va dire, sombres. Donc je vais placer deux modules laser supplémentaires, ici et là. Et je pense qu'on va... ça craint un peu d'ouvrir la salle derrière la sortie, parce que ça veut dire qu'en fait, notre personnage va devoir aller vers une salle. Et juste derrière, il y a juste la salle juste à côté, il va y avoir plein d'ennemis qui vont spawn. Alors qu'on pourrait facilement nettoyer en chemin ou les salles qui sont dans des cul-de-sac, vu qu'ils auront d'abord d'autres salles à traverser, notamment des salles où il y a des tourelles, ils nous embêteront un petit peu moins. Donc on va plutôt explorer à gauche. Donc c'est Samus encore qui va s'y coller. Alors la salle de la Sarah. sortie est aussi, voilà, Sarah. Je le perche à chaque fois qu'il dit Samus vraiment. Il va dire Samus, je Salaud. dirais Sarah. Si ça Non, m'embête. Sarah, pas salaud. Si tu m'embêtes trop, Ah, je peux t'es te nul. mute aussi. Non! Allez, explorons juste en dessous. Et là, ça va être l'angoisse. Petit zoom arrière. On a gagné 6 de brume et la salle était occupée par des ennemis. Donc je vais faire reculer Sarah. Et je vais amener Max dans la salle où il y avait la toile. Donc je surveille la vie de Sarah qui est à moitié. Je la fais reculer. Parce qu'elle a été un peu mal en point. Voilà, ça s'est bien passé. Et on a la possibilité d'éclairer une salle en plus. Donc ça, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir une salle en plus avec les mêmes conditions, les mêmes difficultés. Alors, quelle salle on va allumer du coup? On pourrait se débarrasser du cul-de-sac là-bas. Non, parce qu'au pire, ça fera le personnage pour attaquer éventuellement les ennemis qui spawneront ici. Nous allons éclairer plutôt par là, du côté où Sarah va explorer. Comme ça, elle sera un peu plus en sécurité si jamais elle tombe sur des ennemis. A savoir que j'ai quand même maintenant 66 de nourriture. On peut envisager un level up. Effectivement, parce qu'avant tu disais, oh, j'ai 30 de nourriture, ce qui est énorme, et après là, il en a 66, quoi. Donc voilà, Max Hawkeye, donc on voit qu'il va gagner 51 PV, 2 de défense, 1 de DPS, et on voit un petit point d'interrogation dans les capacités actives, bah, tout simplement ça veut dire qu'il va gagner une capacité En en level. gagnant son niveau, voilà. Donc un niveau pour Max Hawkeye, et il a la capacité, donc abus verbal, hurlez suffisamment et vous obtiendrez une réaction. Donc les héros qui sont dans la même salle que lui auront plus 12 en puissance et plus 25 en défense pendant 9 secondes. Et donc il y a un cooldown pour ses compétences. Et à nouveau, ce n'est pas un temps qui va gérer les cooldowns, mais le nombre de salles qu'on va ouvrir. Donc là, en l'occurrence, 3 salles. Juste, on va venir sur la capacité de Sarah qu'on n'avait pas vue. Donc il y a la capacité décamper qui va augmenter la vitesse de 20 pendant 9 secondes. Voilà, pour s'enfuir plus rapidement. Alors, eh bien, nous allons continuer notre exploration. Je pense qu'on va aller à gauche de la salle qu'on vient d'éclairer. On va laisser le petit cul-de-sac en dessous.
Donc je vais lui laisser ouvrir la salle. Donc 5 cul-de-sac, ça c'est pas, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on n'aura pas de choses supplémentaires à explorer de ce côté-là. Il n'y aura pas d'autres salles à ouvrir. Donc je vais laisser Sarah se battre avec les ennemis et la tourelle. Je vais la faire reculer un petit peu, voilà, ça c'est à nouveau bien passé. J'ai pas eu assez de brume pour éclairer une nouvelle salle. Et là, je suis en train de me demander si la porte qui est dans notre boucle, si on ouvre cette porte, vu que c'est pas une nouvelle salle, je sais pas si elle nous rapporte les ressources. Je sais pas si c'est vraiment l'ouverture des portes en elle-même ou s'il faut vraiment nécessairement trouver une nouvelle salle. Puisque là, si j'ouvre cette porte, bah, tout simplement, je vais arriver sur une salle que je connaissais déjà. Bah, essaye. Bah, je pourrais essayer, mais bon, ça va faire un nouveau spawn de monstres. Mais bon, pas de nouvelle salle à protéger. Ça va pas me donner de brume, mais bon, vu que là, il n'y a pas trop de salles à surveiller. C'est juste que ça va ouvrir ma boucle, en fait, c'est ça le plus gênant. On va D'accord. tester, on va surveiller. Voilà, on est à 45, 78, 48. On va ouvrir. Si, si, j'ai quand même la génération de ressources, donc ça reste intéressant d'ouvrir ces portes-là. Voilà, donc je retourne vite dans la salle précédente, vu que ça sert à rien d'occuper celle qui est éclairée en dessous. Ça limitera pas le spawn. Et je pense que maintenant, bah, tant qu'on y est, on va explorer dans le nord, hein. La dernière salle, j'ose espérer. Voilà, c'est un cul-de-sac. Vous avez ouvert la dernière porte de cet étage. Donc je reviens vite en arrière. Voilà, on a deux points d'exclamation qui apparaissent. Donc deux ennemis qui vont spawn. Je recule un petit peu mes troupes. Voilà. Je surveille la santé de Sarah pour la faire reculer à la salle précédente si besoin. Ça se passe bien. Voilà, donc là, les deux défendent ici. Je vérifie. Voilà, vous voyez, donc j'ai ouvert la boucle. Il y a deux ennemis qui profitent pour passer par l'autre côté. Et donc, si j'avais pas fait gaffe, si j'avais pas fait gaffe, eh bien, ils auraient pu attaquer le cristal. Mais là, ils en sont pas très loin. Voilà. On a Je donne vraiment exploré. des bons conseils, hein. On a exploré tout l'étage, donc on va pouvoir maintenant escorter notre cristal. Il n'y a rien de plus à acquérir dans ce donjon. Donc je vais choisir mon personnage le plus rapide, vu que déjà il dépassera la moitié de sa vitesse, donc autant que ce soit pas un lent. Donc Sarah va à 49 alors que l'autre va à 34. Donc on va amener Sarah à la salle du cristal. Max, lui, va occuper une salle pour limiter le spawn et commencer à éliminer les ennemis qui seront sur le chemin de Sarah. Donc juste, on va laisser un seul côté de la boucle allumé et on va plutôt éclairer en direction de la sortie. Je vais même éteindre cette salle qui est sur le côté. Et voilà, pour éclairer même la salle de la sortie. Donc le mieux, c'est que j'empêche éventuellement les ennemis de spawn par la gauche de la boucle. Comme ça, Sarah aura le champ libre pour aller vers la sortie. Donc je ferai en sorte de lui mettre un petit point intermédiaire pour pas qu'elle aille. J'ai peur qu'en la faisant aller vers la sortie, qu'elle passe par la gauche. Donc je lui ferai un petit point intermédiaire par sécurité. Donc là, on a largement beaucoup de nourriture pour faire quelques soins en cours d'escorte. Donc je vais profiter pour donner un level à Max O'Kane, qui va être occupé de combattre les ennemis. Je pourrais aussi lui donner le niveau à Sarah pour qu'elle ait plus de défense et qu'elle ait moins de risque de décéder en chemin. Donc je fais un level à Max O'Kane. Voilà. Max, je suis en train de chercher depuis avant, ce que ça peut être Max Kane. Après, c'est pas dit. Oui, après, je dis ça, mais c'est pas dit qu'ils aient tous une référence. Après, il peut y avoir des trucs inventés toutes pièces. Hein, mais voilà. C'est juste pour dire que j'avais remarqué ça sur Bah, en Sarah. fait, ça me fait penser à Horatio Kane, mais je retrouve pas le. Ouais, après, dans la description. Je sais pas, il y a des lunettes Est-ce de que ça soleil dans parle. les Ouais, barbus, j'allais dire, ça a rien à voir. est-ce que ça parle de lunettes de soleil? Ça a l'air d'être un nain parce que je vois que ça parle de butin et de dépenser de l'argent, donc c'est peut-être un nain. Non, les nains, ça dépense pas d'argent, ce radin. Justement, j'ai dit, il dépense moins d'argent. Allez, c'est parti. Donc j'ai la possibilité, voilà, de cliquer ici pour récupérer le cristal et je vais vite demander à Sarah d'aller, voilà, par la droite. Et avec Max, je vais essayer de protéger. Voilà. Maintenant que Sarah a passé la salle qui pouvait poser souci, j'amène Max un peu plus haut. Voilà, je demande à Sarah de se diriger vers la sortie. Donc je ramène Max quand même vers les tourelles parce qu'il commence à prendre des dégâts. Ça se passe, ça se passe. Je demande à Max de se diriger vers la sortie, car on peut emprunter la sortie dès qu'un personnage se trouve avec le cristal sur place.
mais je peux décider de partir avec seulement les personnages qui sont dans l'ascenseur. Si jamais j'attends pas tout le monde, et ben y en a qui sont coincés dans l'étage et je partirai sans eux. Donc c'est mieux quand même Et d'avoir tu peux bien tout le monde dans la récupérer mesure. après. Voilà. Donc c'est mieux d'avoir tout le monde Ok. dans la mesure du possible. Donc voilà, le premier Et étage tu vas a récupérer des été. personnages au fur et à mesure Oui. ou... Voilà, oui, on peut avoir des salles où on va trouver des mercenaires qu'on peut recruter contre de la nourriture. Donc voilà, D'accord. le niveau a quand même duré 38 minutes. Donc en général, c'est plus court. Mais là, c'est parce que j'ai pris la peine d'expliquer. Mais après, ouais, c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même. Donc voilà, on a tué 65 créatures, on a ouvert 16 portes et on a un petit score qui s'affiche ici. Et on a au milieu la progression au fil des étages. Donc si c'est bien apparemment une quinzaine d'étages. Alors je sais plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 même. Voilà, je pensais que c'était plus en fait. Donc voilà, après au fur et à mesure des étages, on peut avoir des petites conversations entre les personnages. Je me suis jamais autant amusé dans un ascenseur que depuis cette palette de lubrifiant. Ok, oubliez ça. Après, j'ai envie de dire quand tu passes quand t'es dans l'ascenseur bloqué dans l'ascenseur avec Samus, si elle est sans son armure, il n'y a pas de souci. Si elle se met à parler de lubrifiant, c'est douteux. Donc voilà, on amène notre petite cristal jusqu'à l'étage 2 et c'est parti pour l'étage suivant. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais c'est parce que je suis en train de jouer à Minecraft en même temps en fait. D'accord. Donc voilà, nous arrivons à l'étage 2, donc à nouveau notre cristal dans la première salle qu'on va pouvoir à nouveau défendre, et deux portes, une à gauche, une à droite, qu'on va pouvoir ouvrir. Eh ben dis donc. Qu'on va pouvoir ouvrir, et eh bien pour commencer l'exploration, on voit direct des ennemis dans la première salle. Donc à savoir que d'étage en étage, on amène notre stock d'industrie, notre stock de science et notre stock de nourriture. Mais par contre, le stock de brume revient à un niveau de base, donc là de 24 en l'occurrence. Ou c'était peut-être même Salaud. 20, j'ai dû gagner 4 de brume. J'ai dû gagner 4 de brume dans cette première salle. Donc du coup, toujours très peu de salles qu'on peut alimenter. Donc on va alimenter J'adore. cette première salle. De quoi? J'adore Émilie qui regarde donc le live. Enfin, ma louloute, hein, pour ceux qui regardent le live en décalé sur la télé. Donc, elle entend elle le retour exact du live. Donc, avec le décalage que vous avez chez vous. Et elle m'a entendu parler sur Samus et elle m'a dit: toi, toi, tu vas t'en prendre une. Elle était sur l'ascenseur, je vois. Elle était encore sur les C'est ça. lubrifiants. Ok. Oui, bah oui. Alors, comme je l'avais dit à l'étage précédent, je vais commencer tout de suite par un générateur d'industrie. Vous voyez, là, je commence l'étage avec 66 d'industrie. On a bien fait de faire des réserves, puisque là, je vais pouvoir quasiment mettre un générateur à chaque salle qui auront un générateur. Donc, ça va être bien. Elle me lance des trucs. Cocor, protège-moi. Donc je ne vais pas mettre de tourelle. Je vais être un peu dans l'impossibilité de t'aider. Je vais pas mettre de tourelle vu que là on a de quoi éclairer toutes les salles et qu'on a des héros qui pourraient éventuellement occuper les salles non éclairées. Donc voilà, on arrive à une salle qu'on va éclairer et qui dispose d'une stèle. Alors une stèle, c'est différent des artefacts, c'est un petit effet aléatoire qui peut être positif ou négatif et qui va durer un certain nombre de salles. Donc il suffit d'aller l'explorer pour voir un petit peu ce que c'est. Donc là, c'est la stèle cristal faible. Donc les héros qui sont dans cet étage ont une défense augmentée de 100 points, donc c'est assez énorme. Par contre, la défense du cristal est multipliée par 0,6, donc elle est réduite à 60% de sa défense, donc elle risque de prendre plus de dégâts si le cristal est attaqué. Donc chaque tour, la stèle perd des PV, et quand elle est détruite, l'effet prend fin. Donc voilà, là elle a un certain nombre de PV, donc là le nombre estimé de tours restants est de 4. Donc après elle peut se faire éventuellement attaquer pour les ennemis, et ça réduirait éventuellement les nombres de tours. Donc voilà, donc on va être plus costaud, mais par contre, faut surtout pas que le cristal se fasse attaquer pendant ces 4 tours. Donc là, trois portes. Les trois portes de l'angoisse, sachant qu'on a toujours une porte à explorer à gauche du cristal. Magnifique zone, une magnifique salle sombre à ouvrir juste à côté du cristal, ça fait plaisir. Nous allons aller au nord. Dans un choix totalement aléatoire. Donc des ennemis dans cette salle, donc pas trop puissants, ça va se gérer tranquillement. Voilà, avec un emplacement pour un module majeur et on peut éclairer cette salle avec la brume qu'on a acquis. Donc je vais tout de suite mettre un deuxième générateur d'industrie pour avoir le maximum d'industrie pendant cet étage et pouvoir faire plus de modules, peut-être plus sur la science, la nourriture ou pareil des modules de défense. Donc maintenant nous allons continuer un petit peu notre ligne et continuer au nord.
Et là, on va arriver dans une grande salle qui est un cul-de-sac, avec un gératoire majeur et un coffre. On va voir un petit objet, et c'est une autre rapière qui va nous être complètement inutile, étant donné que Max O'Kane ne peut pas emporter. Elle est pas, par contre, pas complètement inutile, parce que vous voyez que le fond de l'objet est vert, ce qui peut indiquer une rareté plus élevée de l'objet, et donc un objet plus puissant. Et si on regarde la comparaison des stats à droite, quand je mets la souris dessus, on voit qu'elle apporte 3 DPS en plus à Sarah. On voit puissance 14, alors que celle qu'elle portait jusqu'à maintenant avait une puissance de 12. Donc on va remplacer la rapière par la rapière qui est plus puissante. Voilà, donc un petit peu plus de puissance. Nous ne pourrons pas éclairer cette salle qui contient un emplacement de module majeur, donc on peut le placer, mais il n'aura strictement aucun effet, vu que je ne peux pas alimenter la salle. Donc Max O'Kane va rester ici pour défendre, pour empêcher le spawn d'ennemis, et on va emmener Sarah pour explorer la salle de droite par exemple. Sachant qu'elle a toujours son bonus de défense, donc c'est un cul-de-sac. Et on a un marchand, faisons des affaires, c'est bien plus amusant que la banque de je sais pas quoi, j'ai plus le temps de tout lire. Donc un marchand donc, qui va pouvoir nous proposer différents objets contre une des ressources qui va être choisie aléatoirement en fonction du marchand. Effectivement, les youtubeurs sont des gens maltraités. Ouais, mais entre... Monsieur Cabot a dit que tu te faisais attaquer par, ouais. par ton coloc avec des bouteilles. Moi, je me fais attaquer par, je sais pas, des boules de papier à l'évidence. Et on est encore plus maltraité en live car c'est plus jouissif évidemment. Mais bah oui, parce que on répond quoi. Encore sur quand je fais sur YouTube, ça on dérange pas trop. Ouais, oui. Alors marchand, regardons ce qu'il a. Donc lui nous propose toutes sortes d'objets mais contre de la nourriture. Ça va nous ralentir dans la progression de niveau ou dans le recrutement de personnages, mais bon, il y a des objets qui peuvent être intéressants et qui peuvent en valoir la peine. On a par exemple un sifflet de foot qui coûte 54 de nourriture, trop pour ce que j'ai pour l'instant, mais bon, on va en générer au cours de l'étage. Oblige les monstres à tomber, à se tenir à la cheville et à pleurer. Donc ça augmente la défense de 8 et ça déverrouille la capacité passive point de fer. Donc je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais bon, la description, on peut mettre sur la voix, même si des fois les descriptions sont un peu loufoques. Mais bon, on peut voir ce que ça fait si jamais on l'équipait, mais bon, là faudrait l'acheter en l'occurrence. On a une patte de lapin porte-bonheur qui augmente les PV de 75, donc c'est pas trop mal, et l'astuce de 2. Ce trophée sanglant a été arraché à un lapin sauvage de 300 kg. Ouah, 300 kg de lapin, c'est du bon lapin. C'est du bon lapin. On a un uniforme de garde, donc là qui est plus une armure, qui pourrait être aussi intéressant, donc qui réduit la vitesse de 1, donc c'est une armure, voilà, donc ça ralentit un peu, on a un poids plus lourd à porter, même si bon, c'est juste 1 en vitesse, donc c'est pas très, si lourd que ça. Qui augmente donc les PV max de 100 points, ce qui est pas mal, et la défense de 6. Si un simple uniforme de garde est conçu pour absorber autant de dégâts, vous vous demandez ce qu'il pouvait bien y avoir, d'autre à bord du vaisseau. Et on a aussi un petit coupe-papier, donc qui est une arme plutôt épée, une lame on va dire. Une arme plutôt épée. Oui, 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 parce que t'as les armes à feu et les fusils et les pistolets. Mais... donc une arme corps à corps, une arme blanche. Coupe papier, donc vitesse 3, puissance 12. Donc si on compare avec la rapière qui est à droite, on voit qu'on perd en DPS, mais qu'on gagne pour gagner juste 1 de vitesse, donc pas très intéressant. Bien évidemment, il peut aussi ouvrir des lettres et des conserves, des portes, des murs et des petites navettes spatiales. Carrément quoi. Coupe papier multifonction. Donc le coupe papier bof bof, et en plus l'autre peut pas le porter, donc ça sert à rien de regarder. L'uniforme peut être intéressant pour la défense et les PV, pour pas très cher en plus. La patte de lapin peut être intéressante aussi pour les PV. Et le sifflet de foot, j'ai quand même quelques doutes par rapport au prix. Faudrait que je revoie ce que fait point de fer. C'est peut-être un truc qui génère l'aggro sur ce personnage en particulier quand il y en a plusieurs dans la salle. Donc à mettre, pas donner à n'importe quel personnage non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà acheter, je vais regarder les emplacements de l'autre. Je vais acheter l'uniforme de garde. Mais par contre, je pourrais pas acheter la patte de lapin. Donc on va garder ça pour plus tard. L'uniforme déjà, ça sera bien. Qu'on va mettre sur Sarah parce que c'est elle qui ouvre les salles et qui a plus de chances d'avoir des ennemis. C'est le coupe-papier. Le coupe-papier de MacGyver. Tout à fait. C'est ça. Oui, parce que Cocor c'est pas MacGyver. Hein. Mais si. Non, c'est le coupe-papier qui est MacGyver, pas toi. Allez, il nous reste une petite porte en bas là dans ce grand, dans ce carrefour, en espérant que ce soit aussi un cul-de-sac, comme ça il n'y aura plus que la gauche à explorer.
Alors par contre, on va pas pouvoir alimenter la salle qui est juste à droite et où il y a le marchand aussi accessoirement. Donc le marchand pourrait se faire attaquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... Ah ouais, là ça va être l'angoisse parce que je pourrais alimenter la salle du marchand, mais le problème c'est que je n'alimenterai plus mon générateur d'industrie. Est-ce que si le marchand se fait attaquer, il réagit comme dans Spelunky? Non, on va dire qu'il se fait plutôt labourer. Je sais pas si D'accord. concrètement il attaque, mais s'il attaque, il doit faire très peu de dégâts, mais il y a des chances aussi qu'il en fasse pas du tout. Et qu'il soit sans Ok. défense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener par sécurité Max O'Kane vers le marchand pour l'instant. À l'avenir, on essaiera d'alimenter la salle. Et par contre, j'ai mon... Certes, j'ai mon générateur d'industrie qui est alimenté, mais le problème c'est que si des ennemis apparaissent ici, bah, il va se faire labourer par les monstres qui arrivent. Donc, par sécurité, je vais disposer quelques modules laser. Je vais en disposer deux. À cet Afin de le endroit, protéger. voilà. Et si besoin, T'as vu, je suis. enfin, ouais. Hein. C'est très bien. C'est même conseillé. Si jamais, du coup, justement, des ennemis arrivent, on pourra aussi envoyer Max O'Kane en renfort si on voit que personne spawn. Enfin, une fois qu'on est sûr que personne ne spawnera au niveau du marchand. Et donc, vous voyez, les toiles n'ont pas coûté très cher, donc on pourra toujours se payer des générateurs de ressources si besoin. Enfin, si on a des emplacements qui vont être disponibles. Notamment, une fois que la stèle aura fini son effet, elle va disparaître et va laisser la place à un générateur de, à un emplacement de module majeur. Donc, ce qui est très intéressant. Alors, Sarah, je vais te demander d'ouvrir la porte du sud qui n'est pas un cul-de-sac, qui contient un emplacement de module majeur, 10 de brume et un artefact. On fait un petit zoom arrière, pas de spawn d'ennemis, tant mieux. Je vais alimenter la salle du marchand, je vais renvoyer Max O'Kane. Non, je vais pas. Oh. Réfléchissons, réfléchissons. Je pourrais envoyer Max O'Kane dans la nouvelle salle au sud qui n'est pas éclairée, en me disant que les tourelles vont protéger en haut. Mais bon, c'est quand même plus sécurisant d'avoir un personnage. Mais du coup, ça rend les tourelles complètement inutiles vu qu'aucun ennemi va spawn dans cette tourelle. Donc voilà, on peut réfléchir comme ça pendant longtemps à la meilleure stratégie. Par contre, je vais juste regarder l'artefact qui est en dessous. Donc. L'artefact me propose exactement les mêmes études qu'à l'étage précédent. Donc je pense qu'on va demander une réinitialisation de l'étude parce que pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'on a là. Donc on va dépenser 10 de science, j'en ai 116, je peux me le permettre. Alors nous avons toujours le transfert bio-organique, pas de chance. Même s'il restait quand même intéressant, malgré les choix qu'on avait, c'était peut-être le plus intéressant. Donc nous avons un module laser 2, donc module laser 2, donc c'est, on voit là c'est le nouveau module. Et pour le cas du transfert bio-organique, et là dans le cas du module laser, c'est une amélioration, donc ce qui fait que c'est plutôt intéressant dans le sens où on n'aura pas 25 types de modules à placer, mais on aura des modules améliorés, donc plus efficaces pour le même coût. Donc ça reste intéressant d'améliorer les modules qu'on possède déjà, de partir sur quelques modules, peu nombreux, pas trop variés donc, mais qu'on va pouvoir Les améliorer. améliorer, quoi. Voilà, améliorer pour le et qu'après on pourra placer pour le même prix. Ça reste, c'est assez intéressant comme tactique. On a aussi un nouveau module. Bah bon, en même temps, là, les modules mineurs, on n'en a qu'un seul type, donc la diversité ne ferait pas de mal. Un générateur de champ de brume, donc ça c'est assez intéressant puisque ça rajoute 30% de défense aux héros et aux PNJ qui sont dans la salle du module. Donc un peu la plus un module de protection. Et on a aussi le créateur de science, niveau 1 à 2, donc on va pouvoir améliorer. Donc au lieu de générer 3 de science, il va en générer 4. Donc les trois premiers sont assez intéressants. On a pas mal de science, donc le créateur de science, ça serait peut-être pas le plus nécessaire pour l'instant, même si à long terme, bah, ça va nous faire plus de science au final. Plus on va placer de modules, plus la partie va durer, plus ça va être rentable. Donc ça pourrait être un bon choix de partir là-dessus, mais bon, ça serait se priver de modules de défense. Je pense que je vais partir sur l'amélioration du module laser. Donc je crois que de base c'était 7 en puissance, si je retourne voir. Non, c'était 8 en puissance, donc voilà, ça fera juste 1 en puissance supplémentaire. Donc voilà, c'est toujours, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Donc pour 17... C'est quand même, enfin, c'est assez tourné gestion, j'ai l'impression, le jeu quand même. Ah bah oui, quand même, oui, il y a pas mal de gestion, hein, ça c'est sûr. Après, c'est un Tower Defense, donc oui, qui dit Tower Defense dit pas mal de gestion aussi. Oui, ça dépend lesquels aussi. Après, il y en a qui sont très arcade quand même, quoi. Oui. Donc, on va améliorer, voilà, le module laser. Donc, ça va prendre 3 tours.
pour cette petite amélioration. Donc pendant qu'il y en a une qui se fait, vous voyez, c'est en cours d'étude, donc je peux pas choisir d'en faire une autre en parallèle. Donc par contre, il va falloir protéger certains artefacts. S'il se fait déglinguer, bah, je perds les 17 que j'investis et l'amélioration qui aurait dû venir. Donc je vais faire très attention en explorant la salle suivante de surveiller si la salle juste au-dessus est sécurisée. Pas besoin de zoomer, ça devrait bien se passer. Alors là, j'ai juste trouvé un autre personnage, mais je surveille quand même. Ok, ça s'est bien passé, pas d'ennemis sont apparus et j'ai pas eu assez de brume malheureusement. Donc là, je crois que c'est tout simplement un nouveau personnage. Vous venez de rencontrer Mizzy Curtis. Donc tout simplement un mercenaire que l'on va pouvoir recruter. Mizzy, donc qui est un personnage de niveau 2. Je suis Mizzy, mage et lanceuse de sorts et je ne vais pas. Et je vais détruire plutôt tous ceux qui me défient. Non, ignorez cela, c'est un autre gars. Donc apparemment un gars un peu schizo. Enfin non, pas complètement schizo, puisqu'on voit, si on regarde, alors je sais pas si vous voyez, si c'est assez éclairé. Bah, je peux pas éclairer la salle malheureusement. On voit une espèce d'ombre démoniaque derrière lui, donc il est peut-être possédé. Possédé. Donc voilà, un personnage qui est certes niveau 2, donc plutôt dans le plus bas level de ce qu'on a actuellement, mais bon, c'est quand même un troisième personnage, donc une salle en plus qu'on peut occuper, un outil qu'on peut manipuler en plus, et surtout une force de frappe supplémentaire. Donc là, on va pas se priver, on va le recruter sans délai. Surtout que j'ai assez de nourriture, tout juste assez même, donc il n'y a pas de souci. Donc nous accueillons Mizzy Curtis, bien que la rumeur dise que Mizzy est possédée par un démon, voilà, ça confirme un peu, la vérité est différente. Dans les faits, le même emplacement physique est occupé par des entités de deux plans de la réalité distincte. Lorsque ces plans se rapprochent ou s'éloignent, l'un ou l'autre des personnalités devient dominante. De quoi rendre difficile pour Mizzy tout développement de relations à long terme. Le bon côté des choses, c'est que l'autre entité se trouve être un ancien héros de guerre démoniaque, ce qui a permis de réduire les insultes au minimum. Alors, la capacité, c'est pouce rouge. La capacité passive. Donc, mauvaise compagnie. Donc, les héros qui sont dans la même salle que lui ont 10% de défense en moins. Donc, ça, c'est pas terrible. Et par contre, sur ce personnage, donc sur soi, plus 15 de puissance en étant seul dans la salle. Donc, si on le place tout seul dans une salle, ce héros bénéficie de 15 de puissance en plus. Voilà, donc 650 PV, ce qui est assez énorme, donc ça sera plutôt un tank, je pense. 18 de défense par rapport aux autres, et ben c'est le plus haut, sachant que là, le 19, c'est grâce à l'armure, hein, pour Sarah. 27 de vitesse, donc plutôt lent, donc là, ouais, vraiment un gros tank qui se déplace à 2 à l'heure. Et un DPS de 42, ce qui le place dans la moyenne, hein, plutôt dans le haut des personnages qu'on a actuellement. Un d'astuce seulement, par contre. Voilà, l'importance du bonus apporté de votre héros quand il manipule ou il répare un module, d'accord. Alors il peut porter que deux choses, une armure et un appareil. Ok. Fort bien. Donc un nouveau personnage qui peut porter. Donc oui, donc elle ne peut pas porter la rapière forcément. Alors nous n'avons toujours pas assez de brume pour éclairer une autre salle, notamment la salle de l'artefact. Mais par contre, on peut amener cette chère Mizzy Curtis à la salle de l'artefact pour être sûr qu'aucun mob ne va spawn ici. Donc là, on n'a qu'une possibilité, c'est d'aller au sud. Voilà, je suis en train de penser que la stèle a été détruite, donc on a un emplacement de module majeur qu'on va placer. Donc on va choisir plutôt de la nourriture, parce que là on est pas mal descendu avec l'achat de l'objet et le recrutement du personnage, et on a peut-être éventuellement d'autres objets à acheter, donc la nourriture semble être le bon plan. Voilà, donc on pourrait placer des tourelles éventuellement pour protéger la nourriture, mais bon, on a déjà un héros ou deux qui sont en chemin. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc Sarah va maintenant aller juste au sud. C'est un cul-de-sac apparemment, et c'est même la sortie. Donc c'est une double bonne nouvelle. Je vérifie, il n'y a aucun spawn de mob. Donc c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à éclairer le chemin vers la sortie. Donc on va éclairer la salle de l'artefact. Mizzy Curtis n'a plus aucune raison d'être ici, on va la faire avancer d'une salle. Et il nous reste par contre la partie gauche à explorer, qui est assez, ce qui va être assez délicat étant donné que on a le cristal qui va se trouver juste à côté. Donc Mizzy va surveiller entre guillemets les deux salles du sud, donc notamment la sortie où il y a des possibilités de spawn. Je vais, dans le doute, mettre une petite tourelle. Ou encore que. Si, on va mettre une tourelle dans la salle de l'artefact tant qu'on n'a pas appris le truc, et puis je pense qu'on va apprendre autre chose dans la foulée. On va placer, voilà, les deux tourelles sur les deux emplacements de modules mineurs
qui sont ici. Voilà, puis on a encore pas mal d'industries, donc c'est pas mal. Sarah, quant à elle, va explorer juste à gauche. Je me mets en zoom arrière histoire de surveiller la sortie. Donc on a du spawn de l'angoisse au niveau du cristal. Donc là, c'est l'angoisse absolue. Sarah replie. Deux autres vont s'en charger. Le cristal est attaqué. J'ai perdu 0,22 et peut-être un peu plus. Voilà. Donc le cristal a subi de légers dommages, mais ça va. Personne n'est mort et c'est acceptable côté dégâts. Par contre, on a gagné assez de cristal, tout juste assez, on a 60 pour éclairer une nouvelle salle. Donc ça va nous permettre de souffler un peu. Et on va mettre la salle juste à gauche du cristal, juste histoire de laisser de la distance aux ennemis avant que les ennemis voilà, rejoignent le cristal. Parce que là, ils étaient vraiment juste à côté, ils ont eu le temps de l'attaquer. Et vu que la salle est éclairée et qu'elle va disposer d'emplacement, on va aussi pouvoir mettre des tourelles pour la protéger encore plus. Alors juste, je me suis trompé dans la répartition. Voilà, Max va retourner là-bas. Mizu, j'ai oublié son nom complet. Mizi Curtis va rester vers la sortie et Sarah va rester là-bas pour continuer d'explorer d'autres salles. On pourrait mettre un générateur ici, mais bon, c'est peut-être pas le plus safe. Mais de toute façon, là, c'est pas encore éclairé. On va mettre un module majeur ici. On a encore pas mal de salles à explorer, donc ça vaut encore le coup. On va mettre à nouveau un réplicateur de nourriture, mais je pense que voilà, j'ai mon module laser niveau 2. Il y a encore plus de 3 salles à ouvrir, donc je peux éventuellement envisager de faire une deuxième recherche. Donc Mizu Mazo va aller à l'étude. Et à la place donc de l'amélioration du module laser, on a un nouveau module, le Seb Blaster. À cause d'un code mal optimisé, les grenades de ce module blessent tout le monde. Ah Donc, bien. ça, c'est, donc après, si t'as pas de héros dans la salle, ça peut le faire. Mais bon, c'est à faire gaffe, quoi. Mais ça fait des dégâts du coup massifs, c'est l'avantage, hein, je pense. Donc puissance 5, puissance des dégâts de zone sur les héros 20, puissance des dégâts de zone sur les PNJ 20. Un délai donc de 4 entre les tirs, rayon des dégâts de zone 100 et puissance des dégâts de zone de 28, donc contre les ennemis du coup. Donc je vais pas trop partir là-dessus. Ah, on a aussi le lacrymo qui s'est mis à la place, j'avais pas vu tout à droite. Donc ça fait du DPS si je dis pas de conneries. Des capsules de gaz percent des trous infinitésimaux dans la réalité, soumettant les créatures à des surcharges gravitationnelles inattendues et des explosions de radiation. Applique donc des dégâts de 4 par seconde aux créatures dans la même salle et divise la défense par 2 à ces créatures. Donc voilà, ça divise la défense par 2 des créatures tout en faisant un dot de 4 par seconde. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'on pourrait se l'acheter. Pour 20 de science, 3 portes à ouvrir. Allons-y. Donc Mizi va retourner surveiller cette salle. Là, on va faire un générateur du coup de nourriture, puisqu'on a encore un objet à acheter. Donc il est un peu mal protégé. On va rajouter quelques tourelles, quelques modules laser, donc plutôt vers le haut parce que j'ai envie d'explorer là-haut. Là, je peux me servir de F1, F2, F3 pour avoir les raccourcis vers les différentes catégories de modules. Et je pense que 2 modules suffiront pour le moment. Tant qu'il n'y a qu'une salle à explorer qui va être éteinte. On va explorer le nord qui va déboucher vers une autre pièce et en plus si on peut placer quelques modules. Alors tu vas tout de suite reculer. On va surveiller, donc les autres sont pas embêtés. Ouh là là là. Et ben voilà, Sarah vient de décéder. J'ai voulu faire venir les autres alliés à la rescousse, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas été assez réactif malheureusement. Bon, ça va Non, être Sarah. très pénalisant dès le début de la run de perdre quelqu'un. Je récupère le stuff qu'elle avait, donc à savoir la rapière que personne ne va pouvoir équiper. Par contre, j'ai l'armure que Max O'Kane va pouvoir porter. Qui c'est qui a le plus de défense des deux? 15 et 18, on va plutôt le donner à Max. Voilà, donc il passe à 20 de défense. Rest in peace Sarah, donc du coup le module de nourriture a pris cher et on a une personne de moins pour protéger les salles, ce qui craint beaucoup.
Je répartis juste mes personnes, donc on va plutôt se servir de Max pour explorer si exploration il y a. Ça veut dire que du coup on peut quand même éclairer une autre salle. Alors je peux éclairer éventuellement jusqu'à la sortie si jamais j'éteins celle-là. Donc si Max explore une autre salle, ça veut dire que je vais avoir une, deux salles non éclairées, plus la nouvelle salle. Donc ça va être assez tendu à défendre. Donc je pense que nous allons transporter notre cristal jusqu'à l'étage 3 et qu'on va quitter prématurément. Donc c'est un peu con pour du coup le générateur de nourriture que je venais de placer. On va juste retourner voir le marchand avant de partir. À savoir qu'on n'a pas beaucoup de nourriture, donc on va peut-être se priver des soins. Voilà, c'était 30 pour la pâte de lapin et en ouvrant la salle, je vais avoir, en ouvrant une salle, j'aurai 10, ce qui va pas être énorme. À la vitesse où ta partie s'est retournée, quoi. Ouais. La seconde, il était là, enfin il y a 10 minutes, il était là, ouais, j'ai plein de bouffe, c'est excellent. Et 2 secondes après, j'ai presque plus de bouffe, j'ai un perso qui est mort, c'est la dèche. C'est l'angoisse. Et en plus, on a attaqué une recherche et je sais pas, il aurait resté facilement 2 tours, je crois, 2 portes à ouvrir. Voilà, autant d'ouverture de 2 portes. Donc on peut la tenter. On peut tenter la méthode gros sac, à savoir d'ouvrir les 2 portes qui sont dans cette salle et se casser très vite. Je sais pas si on peut ouvrir 2 portes en même temps, mais c'est pas impossible. Donc qui a le plus de vitesse? Bah, ça va être Max, même si c'est pas énorme, énorme. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer Mizzy Curtis tout au fond pour éviter le spawn à la sortie, donc on aura du spawn ici malheureusement. Donc il faudra peut-être venir à la rescousse pour aider Max ou alors spawn des tourelles. Voilà, on va peut-être mettre. On va rajouter 2 modules laser à cet endroit-là. C'est tes chats qui font le bordel derrière ou? Non, pas spécialement. Ah, j'ai cru entendre un bruit de miaou. Ah non, ça devait être Promiri. D'accord. Vu que là je vais avoir 2 salles à ouvrir et que je vais être poursuivi, ça va être la poursuite de l'angoisse, on va rajouter aussi 2 modules laser. Et ça sera tout. Et on va tenter d'ouvrir les 2 salles et de ramener ce cristal, ce qui va être hyper tendu. On va plutôt ouvrir en bas parce que c'est moins loin. Mizzy n'a pas de compétence, ok. Et toi, tu as une compétence qui permet d'augmenter ta puissance et ta défense, ce qui peut être assez intéressant pour ta fuite. Donc, très rapidement, on ouvre la salle du bas, de gauche, on prend le cristal et on se casse. Ça va peut-être être le décès, mais bon, c'est histoire de rentabiliser pour pas être trop pénalisé par la perte du personnage pour l'étage 3. C'est parti. On ouvre une première porte. On spamme la porte à gauche. Ah, alors je peux pas ouvrir. Ah si, j'ai pu ouvrir, d'accord. Alors, juste. Ah oui, il faut qu'il rentre dans la salle. Évite de décéder. Prends ta défense. Prends ton cristal. Zoom arrière. Ouh là là, commence à y avoir du monde. Je vais soigner une première fois Max. Alors Mizzy doit rester là, on va éclairer la dernière salle. Bon bah il est mort. C'est la violence. C'est le wipe complet. La partie est terminée parce qu'ils ont détruit le cristal, du coup forcément le porteur. Bon bah c'est ma partie la plus courte à ce jour. Ah, c'est bon, tu peux changer de jeu maintenant. Bah je sais Mais... pas, je vois qu'il reste. Il reste 40 minutes. Bon après ça suffit pour avoir un aperçu quand même assez global de tous les toutes les Toutes les choses qu'il y facettes a, du voilà, jeu. toutes les facettes du jeu. Je suis en train de réfléchir s'il y a des trucs. On a trouvé des mercenaires, on a trouvé des magasins, on a trouvé des salles auto-alimentées. On a On a fait à trouvé peu. la mort aussi. Oui, on a trouvé la mort aussi très rapidement. Toi qui avais peur que ton live allait durer nouveau Oui, bah c'est vrai 3 3 qu'après mes parties, je sais pas si on a accès au. Voilà, au Panthéon, mes parties ont l'habitude d'être plus longues, ouais, de durer quand même plusieurs heures. Est-ce qu'on peut avoir le détail des runs? Non. Est-ce qu'on a les détails des parties? Non, pas spécialement non plus. Enfin, vous voyez, là j'ai eu, je sais plus laquelle c'était cette partie, j'ai pas vu mon score, ça devait être. Est-ce qu'elle est highlight? Non, même pas. Ah si, c'est celle-là, voilà, facile, j'ai fait 1200 points. J'ai fait des parties quand même à Émilie 10 000 points. applaudit. Merci, merci. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le boxon dans l'appart. Je pense qu'on va calmer les choses sous peu, si besoin, si le besoin s'en fait ressentir. Donc voilà.
Ouais, donc ouais, je fais des fois des fois je joue 1 heure et voilà, je reprends ma partie le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on va pas se refaire une partie, voilà, je pense qu'on a plutôt bien découvert le jeu. Bah j'avais proposé Cooks of Delicious, c'est un deuxième choix pour ce live, enfin si j'avais pas trop d'idées, je pensais, enfin pas plus d'idées, j'aurais fait ça ou ça. Donc éventuellement on peut finir tranquillement sur du Cooks of Delicious. Allez, j'ai envie de te voir en chier. Qu'en dites-vous? Ouais, en plus ça fait un moment que j'ai pas joué, je vais reprendre ma partie où j'en étais, donc au pire je ferai un premier jour tout pourri. Ça sera pas hyper rentable, mais bon voilà. Ça fera Il faut une l'occasion de... webcam, hein. Ça fera l'occasion de découvrir. De quoi? Il faudrait une webcam pour qu'on te voie galérer. Bah, problème, c'est qu'après, c'est le stream qui va galérer si je mets une webcam. Effectivement, je pense bien. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter Dungeon of the Endless. Je vais actualiser les infos du live. Alors, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai quitté la page. Voilà, je vais me taper une magnifique pub. Donc, ça va être Cook. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y a Cooking Mama, si. Cook Serve Delicious, voilà. Non, j'ai fait Done alors que j'avais d'autres choses à modifier. Il y a un problème en éditant le statut. Merci Twitch. Merci, oui, merci Twitch, c'est ça. Il faut que j'aille du coup dans le tableau de bord très rapidement. Sans doute que je me reconnecte à Twitch. Ok, j'ai un gros, voilà, des gros soucis de connexion, merveilleux. Super. Non, moi Voilà. j'annonce. Ah, Emily dit que elle aussi veut devoir galérer sur Il y a Cooks des virgules, je sais plus comment qui s'écrit le jeu. Il y a des and Delicious. virgules. Bonne question. C'est pas des apostrophes ou une connerie? Non, c'est des virgules. Alors, D'accord. pas des points-virgules, des Sius. alors, je fais des fautes. Je rajoute des lettres là où il faut pas. Délicieuse, voilà. Ok, et ça finit par un point d'exclamation, évidemment. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, j'annonce à tes viewers et peut-être aux gens de la rediffusion qui regardent aussi notre chaîne. Je suis en train de jouer à Minecraft, comme je le disais juste avant, en même temps que je regarde l'œil de Coco. En fait, je farm sur notre LP. Voilà, c'est la petite annonce. Je suis en train de farmer sur notre LP en off pour miner, pour avoir des ressources pour le prochain épisode. Ok. Alors je pose Si ça histoire de pas voir. intéresse des gens. Voilà. Il me reste plus que ça à changer et ce sera parfait. J'aime bien faire de la pub sur tes Mais y a pas de souci. lives. C'est un réel plaisir, c'est ça? Spécialement. C'est plus un plaisir pour Si, toi. c'est un réel plaisir, je te dis.